Bonsoir les amis, salam alaikum ikhwan, voilà pour vous le quinté de mardi 9 juillet à Compiègne, à la Trois Journaux, Génécourse, La Gazette et Paris Kiev. Notre consultant le voit s'imposer, Kanishia, une base en nord. Stéphane Pasquier ne sera pas au départ du quinté, n'a trouvé qu'un logique favori. Kanishia. Le dossier Quinté, Compiègne, mardi 9 juillet, près du château de Pierrefonds. La distance 2400 mètres, 53 000 euros. Départ prévu à 18h en France, 17h au Maroc. Difficulté de la course, 3 étoiles, terrain bon, souple, corde à gauche. Ligne d'arrivée, 600 mètres, le parcours tenu exigé. La course de référence, check to check sur sa lancée. La tirfoscopie des partants, les jockeys s'expliquent. Anthony Crassus sur Bozieux le 3. Augustin Madanette sur Trérocoumen le 8, le ticket type 11-15-As-2-4, le favori au bon d'essai, la tactique express. Une première pour le favori de la presse représenté par Kanishia, puisque le prix du château de Pierrefonds présente les conditions nouvelles cette année. Les outsiders participent souvent à l'arrivée de ce genre d'épreuve. Notre conseil mélangé, favori et outsider dans vos jeux. Info express, ça marche. Engagement, bizarrerie. Du jamais vu, 0% de réussite sur 2400 mètres pour l'humine précieux. 0 sur 1. Poids en question, remonté au poids. Le 4 plus 2,5 kg, abaissé au poids. Le 16 moins 3 kg, le 15 moins 1,5, le 12 moins 1 kg, le 3, le 6, le 10 moins 0,5. Forme écart en plat, des numéros, des jockeys, des entraîneurs. Voilà le détail de la course. Le 1, Just Light, Onnicont. Le 2, Kanishia, entraîneur H.A. Pontal. Tout va bien. Le 3, Bozieux, entraîneur N. Perret. Retour sur plus long. Le 4, Saint-Aurin, Madame C. Bousquet. Reste compétitif. Ces stats clés en plat. Ces dernières performances. La sélection de Stéphane était. Les extrêmes en tête. Je composais mon couplet de favoris avec Just Lice qui visait trop haute dernièrement. Et Bahaira qui a déjà eu l'occasion de briller à ce niveau sur ce parcours. Sinon, Kanishia et Check to Check sont de bonnes bases de jeu. Maturi Gold va encore se livrer et ainsi se glisser en bout de combinaison. Mon pronostic 1, 16, 2, 11, 5, 8, 7 et 4. Le 1 à reprendre, le 2 obligé de croire, le 3 à ne pas négliger, le 4 peut surprendre. Le 5, Maturi Gold est compétitive. Le 6, Robini, vaut mieux que cela. Le 7, à ne pas négliger. Le 8, mieux en terrain souple.
ses dernières performances. Voilà la meilleure performance. Le 5 en bout de piste, le 6 doit rassurer, le 7 réhabilitation attendue, le 8 bon point d'appui. Quinté plus Compiègne, mardi 9 juillet, près du château de Pierrefonds. La distance 2400 mètres. Voilà le 1. Au Dandigny, le 2 Tepicon, le 3 Acrassus, le 4 Mademoiselle à Moulin, le 5 à Le Maire, le 6 à Pouchin, le 7 c'est Soumillon, le 8 à Madamette, le 9 Tebachilo, le 10 c'est Dimero, le 11 H. Besny, le 12 J. Nicolo. Le 13 M. Barzalona, le 14 Mademoiselle F. Valscar, le 15 Mondesabal, le 16 Petrilli. La dernière minute, le 2 Panichia. Le coup de folie, le 8 Rockwoman. Le classement logique. L'opinion de Barbara Issien, Madame Chiffre, jamais de 103 pour Kanishia, le 2. Forme et écart en plat des numéros des entraîneurs des jockeys. Le classement logique Just Lies dans la lumière, le 1. Le chrono web check to check sur sa lancée. Le ticket du patron check to check cherche sa course. Les statistiques sur les pistes, les performances, le point de multi, flambeur, audacieux, prudent, sécurité. La conclusion de l'ensemble de la rédaction, base de 11-8, tuyau 13-16, outsider 7-9, en cas de non partant le 5. L'avis de Stéphane Pasquier, Kanishia mérite un succès, le 2. Voilà les cotes, mes amis, et les avis, ou bien l'opinion des entraîneurs, avec les performances. Voilà. Le 1, 10 contre 1. Le 2, 4 contre 1. Le 3, 15 contre 1. Le 4, 16 contre 1. Le 5, 14 contre 1. Le 6, 25 contre 1. Le 7, 11 contre 1. Le 8, 8 contre 1. Le 9, 10 contre 1. Le 10, 30 contre 1. Le 11, 5 contre 1. Le 12, 35 contre 1. Le 13, 9 contre 1. Le 14, 45 contre 1. Le 15, 18 contre 1. Le 16, 11 contre 1. On termine. Le 9, Havoc. Changement de programme. Le 10, une question de parcours. Le 11, bon comportement attendu. Le 12, besoin de rassurer. Le 13, en forme. Le 9, chance régulière. Le 10, en cas de défaillance. Le 11, base de la course. Le 12, atout approuvé. Le 13, révélation possible. Le 14, des ambitions. Le 15, peut être dans les 5. Le 16, déjà bien couru sur ce parc, sur ce tracé.
Le 14, compliqué. Le 15 pour une côte, le 16, 10 atouts. Que dit la presse? Le championnat de France des pronostics, les 13 médias, voilà les pronostics des médias. La synthèse de la presse la plus suivie en France, jouée sur Unibet, favori de 11, 13, 9, As, outsider 7, 16, 8, 5, 3, 4, 6, 10, abandonné de 12, de 14, de 15. Les meilleurs pronostiqueurs au plaque un peu plus du jour. La synthèse. HD Brune, Sébastien Lombardo, Eric Broslin, Paul Bruce. Et oui, dernier résultat des favoris de la presse plat. Le premier, le 2, le deuxième, le 11, le troisième, le 13, le quatrième, le 9, le cinquième, le 1, le sixième, le 7, le septième, le 16, le huitième, le 8, le neuvième, le 5, le dixième, le 3, le onzième, le 4, le douzième, le 6. Le 13e, le 10, le 14e, le 12, le 15e, le 14 et le 16e, le 15. Voilà mes amis, la Gazette des courses, Quintet à Compiègne, Prix du Château de Pierrefonds, 16 partants, départ prévu vers 18h en France, 17h au Maroc, Kanishia, le 2, une bonne recrue. Le protégé de Henry Alex Pontal a réalisé d'excellents débuts dans les quintés le 8 mai à Lyon-Paris. Échouant de peu pour la victoire, il vient de confirmer à Chantilly, derrière deux éléments de qualité, indifférents à l'état du terrain et extra sur 2400 mètres, il ne va pas taper loin. Trois chevaux à jouer mardi en 2 sur 4 en couplet, base le 2, outsider le 7, trouble fait le 1. L'analyse des pronos par Jessica Carter. Kanishia en chef de file, le 2. La conclusion du prono d'or. Les favoris de la presse, le 2, le 11, le 16. Ces chevaux mettront du piment, 1, 8, 5. Personne n'en veut. Et pourtant, 6, 10. Le coup sûr, le 2. La forme saisonnière, le 9, le 2, le 12, le 4, le 10. Écart des jockeys. Michael Barzalona sur un nuage. Les écarts des entraîneurs. Henry Alex Pontal en forme. Le classement de la presse. L'outsider le 8, notre coup de cœur. Le 11, check to check. L'outsider le 8, très rock woman. Stat Gazette le 2, le 15, le 13, le 8. Le grand écart. Écart des numéros. 12 et 15 scores. L'analyse des partants en un clin d'œil. L'analyse des perfs. La forme 8, 2, 11, 9, 15, 4, 3. Place cumulée lors des trois dernières courses. Parcours abscissude au tracé 16, 13, 15. Confiance moyenne des trois dernières côtes. 2, 5, 13, 3, 10. Combativité. Chevaux battus lors de leur dernière course. 8, 11, 2, 4, 13, 7, 3. La logique, le 1, l'introuvable, le 5, l'outsider, le 6. Le résultat de l'analyse, le 1, le meilleur du lot. Le 2, à l'arrivée. Le 5, bonne finisseuse. Le 6, à racheter. Le 9, la confirmation. Le 11, cherche sa course. Le 3, bon outsider. Le 8, irréprochable. Repéré sur les pistes, le 5, le 2. En direct des pistes, les entraîneurs les plus confiants. 1, 2, 5, 4, 3, 7, 6, 8. Nos champs réduits en couplet, nous avons sélectionné le 2. Comme base sur la première ligne et trois chevaux associés, le 1, le 5 et le 11. Sur la seconde ligne,
En quintet, nous avons sélectionné 4 chevaux de base, le 2, le 1, le 5, le 11. Sur chacun des 4 premières lignes et 6 chevaux associés à la 5e ligne, le 8, le 3, le 7, le 6, le 13, le 16. Voilà le programme de la Gazette. Le pronostic de José Gauvez, Jean Villa. Frédéric Schramm. La conclusion du favori de As 11, 16, 4, 7, 13, 9 a joué en 2 sur 4 de As 11. Notre coup de cœur, Just Light le 1, on fonce. Le favori du favori, Kanishia le 2, a sa chance. Voilà Tiki Sécurité, Tiki Forme, Tiki Folie, Tiki Jackpot. Nos jeux en 2 sur 4, 2, 1, 11. Multi, jackpot. Le risque possible logique. Stop info gagnante. Le 1, Just Lights. Le classement logique. Favori, le 2, le 11, le 16, le 13. Bonne chance, le 9, le 7, le 1, le 8. Outsider 5, 4, 3, 6, 10. Délaissé 15, 14, 12. Voilà l'avis de José Gauvez. Notre éliminé, aucun. La forme des chevaux. Les graphiques en vert représentent les chevaux en forme. Le 2, le 4, le 8, le 10. Check to check sur sa lancée. La synthèse de la Gazette. Course 2, As, 11, 13, 5, 7, 8, 4. Kanishia au sommet, le 2. En résumé, base de As 11, le meilleur, le 2. Chevaux en forme, le 5. À suivre, le 11. Un bon tuyau, le 13. Surprise, 7, 8, dernière heure, le 1. Voilà Paris Turf, voilà le journal Paris Turf, la ligne, donc la 8e course, la voilà. Voilà la 8e course, la ligne. Voilà mes amis, la ligne. Donc notre choix, 2, 7, 4, 11, 13, As, 5, 9. Chance, 8, 16, 3, 10, 6, 12, 15, 14. Le 1. 7e, 48 contre 1, 7 pardon. 2400, 130 000 euros. Le 2, 3e, 3 contre 1, 13 pardon. 2400, 75 000. Le 3, 8e, 12 contre 1, 16 pardon. 2000, 53 000. Le 4, premier, 66 contre 10, 11 pardon. €2 420 000. Le 5, 2e, 3 contre 1, favori battu. 18 000, 2100, etc. Voilà. Les propriétaires, les entraîneurs, les jockeys et les chevaux, l'âge et le sexe, les cordes. On continue. Voilà notre programme Quintet, mardi Compiègne, prix du château de Pierrefonds, réunion 1, 8e course, départ à 18h, en France, au Maroc, 17h. Voilà les côtes. Le 1 Just Life au Dondinier, 11 contre 1. Le 2 Tepicon, 4 contre 1. Le 3, 15 contre 1. À Crassus, le 4 à Moulin, 10 contre 1. Le 5 à Le Maire, 16 contre 1. Le 6 à Pouchin, 17 contre 1. Le 7, 6 au Millions, 9 contre 1.
Le 8, Ama Dame, 13 contre 1. Le 9, Tebashilo, 14 contre 1. Le 10, Sedimero, 20 contre 1. Le 11, Hbisnié, 8 contre 1. Le 12, Ginecolo, 34 contre 1. Le 13, M. Barzalona, 12 contre 1. Le 14, 40 contre 1, Mademoiselle F. Valscar. Le 15, Mondizabal, 32 contre 1. Le 16, Tétrulier, 15 contre 1. Notre pronostic par Florent Bias, nos préférés 2, 7, 4, 11, 13, 1, 5, 9. Chance régulière 8, 16, 3, 10, 6, 12, 15, 14. Cahier Quintet, le 1, on y compte. Le 2, tout va bien. Le 3, retour sur plus long. Le 4, reste compétitif. Le 5 est compétitif. Le 6 vaut mieux que cela. Le 7 à ne pas négliger. Le 8 mieux en terrain souple. Le 9, changement de programme. Le 10, une question de parcours. Le 11, bon comportement attendu. Le 12, besoin de rassurer. Le 13, en forme. Le 14, des ambitions. Le 15, peut-être dans les 5. Le 16, déjà bien couru sur ce tracé. Dans le creux de l'oreille, l'outsider séduisant le 10, Hollywood africain. Ma sélection 2, 7, 11, 10, 5, 3, 16, As. Confidentiel de piste 1, 2, 3, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 12. Repéré pour vous, repéré dans les jumelles 2, 7. Lorenzo de Medici. La spécialiste le 10, Bahira. La découverte, le 4, Saturin. Le best of plat, le top sur les 3 derniers mois, Francis Henry Graffard, 59%. Valeur. Handicap 10 jours, plus ou moins 1 kg. Havoc en valeur 36. 20 tentatives, 3 victoires, 7 places, 50%.
Le classement par les points, l'aptitude au terrain, coefficient de réussite, le classement par les points dans l'ordre de nos préférences, le 11, le 13, le 3, le 4, le 2, le 1, le 16, le 5, le 9 et le 6. Indice de forme. Réussite sur la corde. Statistique et écart en plat. Chevaux baissés au poids. Chevaux pénalisés. Chevaux baissés au poids, le 16, moins 3 kg. Le 12, moins 1 kg. Le 3, le 6, le 10, moins 0,5 kg. Chevaux pénalisés. Le 4, plus 2,5 kg. Premier handicap en plat, le 14. Expérience sur le parcours. Robini, une course 0%. Rodena, une course, une place 100%. Jacquesin, deux courses, deux places 100%. Bahaira, une seule course, un seul quintet, une place 100%. L'écart est statistique des entraîneurs, des jockeys. La dernière arrivée dans la spécialité. Voilà le championnat de France des pronostiqueurs en galop. Le Progrès de Lyon, Paris, Turf.com, etc. La Provence. Nombre de fois cités, les plus cités. Pas d'historique de la course, alors ce sera difficile. 3 étoiles, mes amis, attention. Abandonné 14-15. Les favoris des médias, les plus cités.